Secoué son club Bandima Sport, tenu en échec, bien sûr, vous voyez, en ouverture de la 18e journée, bien sûr, de la Ligue 1, de la Ligue 2 Twic, bien sûr, Bandima Sport et CBS Secoué ont été tenus en échec. Avant d'aborder le sujet, avant d'entamer ce truc-là, ce gros flash, j'aimerais partager une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Pour ceux qui ont envie de faire des contenus sur YouTube et à gagner de l'argent, YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. C'est une réalité désormais. Prenez notre formation YouTube via le plus 229 53 63 4 87 30. Écrivez-nous pas WhatsApp, vous allez faire des vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation et gagner beaucoup d'argent. Et vous voyez le lien de notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé en description de cette vidéo. L'adresse mail pour nous joindre aussi est en commentaire épinglé. Maintenant, si vous avez envie de développer votre image, votre notoriété sur les réseaux sociaux, que vous soyez une structure, une entreprise, on fait du B2B, que vous soyez un particulier, on fait du B2C, que vous soyez bien sûr un footballeur, un artiste, on va développer bien sûr votre image sur les réseaux sociaux. Plus 229 53 63 87 30. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet concernant bien sûr CBS Secoué, le dadien national. En ouverture de la 18e journée de la Ligue 1, bien sûr, bon, de la Ligue 2, s'il vous plaît, Ligue 2 Twic, Bandima Sport a été tenu en échec par Erzurum Sport, 0 but partout ce samedi 13 janvier 2024. Avec 30 points, Bandima Sport est provisoirement 6e ensuite du 8 club, s'il vous plaît. Titulaire, CBS Secoué a joué l'intégralité de la rencontre cette saison. Le milieu de terrain béninois a été convoqué 19 fois pour 8 titularisations et 8 entrées en jeu. Et vous voyez, le joueur de 31 ans a disputé au total 821 minutes, bien sûr, soit 52 minutes. Soit 52 minutes par match, s'il vous plaît. Son contrat avec Bandima Sport vient à expiration le 30 juin 2024. Notons que CBS Secoué, c'est notre pépite, c'est notre joujou. C'est vrai que en sélection nationale, des bruits ont couru comme quoi, quand il vient en sélection nationale, il se blesse avant de rentrer chez lui en club. Tout ça est parti et il est revenu en sélection nationale et on espère qu'il sera à présent parce qu'il distille de très très belles passes. On a besoin de ces gens de passeurs. Donc, que pensez-vous bien sûr de cette information, de ce flash sur bien sûr CBS Secoué et Bandima Sport? Dites-le en commentaire épinglé. Dites-le en commentaire. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau flash. C'était moi, l'Ugresse premier, le 301, sud-doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Il n'a qu'à respecter.